comment ces pensées se fait au quotidien ce travail de conservation et de préservation et de valorisation de l'œuvre de Starevitch. Et on a commencé, en fait, il y a un an, dans d'autres cadres et d'autres structures, ce travail autour de Starevitch à Fontenay-sous-Bois, qui est la ville où Starevitch a vécu de 24 à 65, et avec sa famille, et qui est la ville où on espère un jour, il serait bien un jour que des démarches vis-à-vis de la maison où vivait Starevitch, ou des démarches de reconnaissance de l'importance de Starevitch dans cette ville se fassent. Ça a commencé l'année dernière, ça s'est arrêté pour des questions budgétaires. On espère tous que ça puisse reprendre, parce que c'est aussi important que sur les questions spatiales et territoriales, les gens connaissent l'influence à un moment du travail de grands artistes comme ça. L'année dernière, quand M. Martin et Mme Martin ont accepté que ces films soient diffusés, il y a deux critiques qui ont accepté de jouer le jeu. Ce ne sont pas des critiques qui, d'habitude, ont l'habitude ni de traiter le cinéma d'animation, ni de regarder Starevitch. Je crois qu'ils n'avaient jamais, d'ailleurs, même écrit la moindre ligne sur Starevitch. Et ils ont accepté de faire une sorte de travail qui était une découverte un peu rapide, c'est-à-dire ils ont pu voir les films quelques semaines avant, et d'avoir une discussion avec le public qui était présent, sachant qu'à Fontenay c'était privé comme discussion, ils ont pu donner leur premier ressenti là-dessus. Donc ces deux critiques sont Jean Boucher et Hervé Aubon, qui ont lancé en fait cette discussion autour de Starevitch. Mais la façon dont ils abordent ça, c'est plus large que Starevitch. Et c'est ce qu'on souhaiterait commencer maintenant dans ces dialogues à pouvoir emmener, c'est que nous, en tant que cinémathèque, on est convaincus, si on veut placer un auteur dans l'histoire du cinéma, quelle que soit la place après où chacun, hein, que ce soit en tant que programmateur, en tant que critique ou en tant que public, quel que soit l'endroit où on met, je vous rappelle que dans l'expo Paini sur l'endroit, la dernière pièce de l'expo est une sorte d'organigramme de l'histoire du cinéma au moment où l'endroit faisait ses expos ou ses chemins. Et on voit sur cette pièce l'endroit qui a mis Starevitch sous Émile Cole dans une section de marionnette, et puis en dessous, il n'y a pas grand-chose à ce moment-là. Et le travail que Hervé Aubon et Jean Boucher ont entamé, c'est un travail qui nous plaît beaucoup, parce que ce sont deux critiques qui ont des liens, parce qu'ils ont travaillé dans des endroits très très importants dans l'histoire du cinéma, comme les Cahiers, qu'ils ont des travaux sur des auteurs, où on voit bien que les questions politiques des auteurs, ou les questions de traitement, des obsessions, des écritures sont des sujets qui les passionnent. Et il nous paraissait primordial aujourd'hui qu'on puisse créer, avec l'œuvre de Starevitch, quelque chose qui pour nous est génial, qui est la première discussion entre Hervé Aubon et Jean Boucher. Et on est ravis que ça puisse se faire après cette discussion. Ils ont bien évidemment, c'est pas nous qui décidons ce qu'ils ont dit, ils ont une carte blanche de discussion qui nous intéresse beaucoup sur la façon dont ils laissent leur pensée aller en mouvement sur cette idée que voilà, il y a quand même du ressenti, et tout ça, par le ressenti, permet d'aller vers une explication de comment sont faits les films, pourquoi, et on est ravis qu'après cette séance, Boucher et Aubon puissent avoir cette première discussion ensemble. On est ravis que ce soit à Dijon également, que ce soit la première fois qu'ils puissent discuter ensemble. Donc on vous projette là les films du programme, cette discussion aura lieu juste après. Je vous donne juste une petite indication sur ce soir, parce que ça s'est mis en place. C'est aussi le principe de ce genre de dialogue, c'est que les choses évoluent en journée, en fonction des choses. C'est que l'intervention de Jacques Cambrat à 19h ce soir se fera avec plusieurs moments, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas un concert qui se fait ce soir, c'est réellement la façon dont Jacques souhaite vous emmener et son rapport à Starevitch, mais aussi son rapport à la création musicale en général, la création de films. Je vous invite vraiment aussi à réécouter l'intervention qu'il a pu faire hier sur la radio qui diffuse pendant 48 heures les interventions des invités. Et donc ce programme de Jacques Cambrat à 19h, si vous avez des gens qui n'ont pas encore vu quelque chose ce soir, un petit détail matériel, tout ça est gratuit, n'hésitez pas à les faire venir. Mais cette intervention, ce sera vraiment une carte blanche à Jacques sur sa possibilité à ce moment-là, parce qu'on commence ce travail. Voilà, pendant deux jours, on a mis Starevitch, ses films, Starevitch partout. Maintenant, on voudrait que Starevitch soit aussi au milieu de choses plus larges, les gens s'approprient l'idée de le mettre dans une histoire du cinéma s'ils en ont envie, en ressenti, le mettre où ils
veulent. Mais maintenant, on commence avec tout ça. Et tout ça interviendra aussi juste avant l'intervention de Jean Boucher ce soir sur Dreyer. Puisqu'une des volontés de ce programme, c'était de pouvoir finir en fait, le programme Starevitch sur les liens entre Starevitch et d'autres immenses auteurs, et bien évidemment le vampire de Dreyer nous paraît être un film qu'il faut absolument montrer et remontrer et remontrer. Donc suite à ce programme auquel vous assistez là, on aura la discussion entre Jean Boucher et Hervé Ron, et on vous souhaite une bonne fin de dernière journée de dialogue. Juste petite chose, vous avez sur le côté Marina Fedorov qui va vous faire pendant les diffusions la traduction des cartons, et on souhaitait remercier Marina, puisque depuis le début de ces dialogues, c'est Marina qui, et par ses interventions dans les différents moments de discussion, et par son travail de traduction en direct, permet qu'il y ait une compréhension, et encore je réduis pas ce terme, le simple fait de traduction, mais une lecture de Starevitch qui n'est pas primordiale, puisque Marina travaille avec M. et Mme Martin depuis des années, et qu'elle fait donc partie des gens qui permet que tout ça existe. On vous souhaite une très bonne projection, et on se retrouve juste après pour la discussion entre Boucher et Ron. Merci à tous. L'objectif est de commencer à voir et à parler de vos ressentis sur Starevitch, c'est de vous reposer cette question de manière à savoir comment vous avez vécu cette vision de Starevitch. Donc qu'est-ce que vous avez ressenti là sur cette projection, et puis maintenant c'est une discussion entre vous. Mais moi je vous quitte. Oui, alors on va répondre à la question là. Je suppose que la place est très bien entre vous. Vous voyez ces films-là pour la première fois, puisque je pense qu'ils ne sont pas sortis souvent. Même si quand même les Starevitch nous parlent quand même d'une exploitation commerciale. Des gens que, en tout cas, les nuées, on ne les connaissait pas, moi je ne les connaissais pas d'ailleurs, et que j'étais un peu surpris dans le très bon sens, par la vision. Bon, toi, tu n'as pas dire déjà quelque chose, toi? Bah, je suis déjà un petit peu... je ne sais pas ce qu'il y a. L'enjeu de l'animation, je sais que tu as vu plutôt des films en prise de vue réelle, je suis un peu étonné. On pourra peut-être... Parce que j'ai pas mal parlé de l'animation hier. Ah bah oui. Et comme là, il y avait l'enjeu de... Simplement, c'est que je trouvais que le collage entre la revanche du ciné-opérateur, qui est un des films d'animation les plus drôles, un des premiers, mais avec des insectes là, qui jouent la comédie de la vie de terre, où là il y a une espèce de. Sur le côté insectoïde et anthropologique. Vous vous souvenez tous de ce que vous aviez fait, évidemment, des films en 1912. Donc, quand même, le cinéma n'a que 17 ans. Il y a quand même eu, de voir. Le tout début 1900, ce qu'on appelle le cinéma primitif de 1900 à 1910, et en effet quand on arrive à 1912, commence à ce moment-là, c'est depuis 3-4 ans, à quand même, les gens commencent, enfin, certains commencent à comprendre qu'est-ce que ça peut être que le cinéma. Ce n'est pas évident du tout au départ, parce que le cinéma a été quand même marqué par trois choses, par même quatre choses d'ailleurs. Un, c'était le graphisme pictural. Deux, l'immobilité photographique. 3, la dramaturgie théâtrale. 4, justement, l'arrivée de cette chose bizarre qu'on appelle le cinéma, que même les frères Lumière pensaient n'être qu'une sorte d'amusement provisoire et que cela allait disparaître très vite. Et évidemment, la compréhension de quelque chose qui utilise le mouvement. Le mouvement, c'est-à-dire en d'autres termes, la possibilité pour la première fois dans l'histoire de l'humanité
de voir la vie représentée directement. C'est-à-dire que pour la première fois, on voit la vie vivre sur un écran, sur l'espace. Sinon, avant, bien sûr, au théâtre, on la voit. Mais au théâtre, on sait bien que ce n'est pas véritablement de la vie, c'est de la recomposition ou de l'idée de vie, etc. Le cinéma, en particulier, c'est très bien que les frères Lumière, vous montrer qu'est-ce que c'est que la vie, dans ce coup, des gens bouger, des places animées, des tramways passés, etc. Bref, quelque chose qui était tout simplement impensable à l'époque. Évidemment, avec des effets de réalité, dont le plus célèbre est l'arrivée du train en gare de la Ciotat, où déjà, en 1895, avec une espèce de mouvement de frayeur quand on voyait dans la locomotive arriver sur eux, puisque l'idée que ça reste que dans un espace fermé n'était plus là. Le sens du réel l'emportait, ou en tous les cas, entraîner les spectateurs à voir quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Tout ça, c'était très compliqué. Et on s'aperçoit donc qu'en effet, le cinéma se trouve peu à peu et commence à sentir qu'il peut être quelque chose de tout à fait particulier, donc un art entier, et ça dit, on dit tant. Et là, les années 92, c'est le moment où déjà Griffith arrive, enfin les Griffith encore au grand âge, tout à fait arrive, mais moi ce que je trouve stupéfiant justement quand je vois Starevitch, 1912, c'est l'extraordinaire aisance qu'il a à raconter une histoire en image. C'est-à-dire que, il y a quelques petits défauts encore en particulier. Avec la bourgeoise qui en fait un tout petit peu trop quand même, mais déjà quand même à l'époque, la direction d'acteur, c'est assez stupéfiant, parce qu'il y a, pour ainsi dire, il n'y a presque rien à redire à la façon dont les personnages bougent dans le film. En plus, il y a un rythme étonnant sur la façon de raconter l'histoire, en lui donnant une succession de celles qui font que vous l'avez vu vous-même, vous l'avez vu constater, vous n'avez pas besoin de voir non seulement d'entendre non seulement une parole, mais même de lire un sous-titre, un intertitre, que les autres films de l'époque avaient pour expliquer ce qui se passait. Là, vous avez, c'est-à-dire qu'au bout de temps, il fait au moins 25 minutes, je ne sais pas comment on compte, 25 minutes ou une demi-heure, vous comprenez l'histoire de bout en bout. Même s'il y a peut-être deux ou trois. Il y a des petites obscurités. Moi aussi. Celui qui a toujours mal dans la tête au début et qu'on remplace, qui est l'être bloqué officiel. Oui. Je ne sais pas très clair. Sa revanche, ce n'est pas très clair. Ce n'est pas très clair. Mais de toute façon, c'est. Bon, c'est pas très clair. On comprend quand même avec un entraînement et surtout, moi, ce qui m'émerveille. C'est la façon dont Starevitch a un sens de l'espace. C'est pour ça que le fait qu'il ait travaillé beaucoup l'animation montre qu'il a un sens du graphisme et de ce que c'est qu'un espace graphique. Donc, quand il filme, là maintenant, avec des acteurs, il le fait de façon graphique, avec un découpage que je trouve vraiment stupéfiant. Des rapports de plans. Plan lointain et d'un seul coup plan rapproché qui sont d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de différence entre les façons de mettre en scène aujourd'hui et cette façon-là. Bon, l'histoire elle-même me chagrine un peu parce que quand même qu'on puisse penser que le grand maître était légère, c'est vraiment ça. C'est de ce point tout à fait réussi. Enfin, moi, je l'avais déjà vu dans le film et je le revoyais tout à l'heure. Je suis en émerveillement devant le film, devant ce film-là. Mais dans son doute, c'est-à-dire que Feuillade n'est pas, si, il est déjà arrivé, mais il n'est pas encore arrivé dans sa grande époque.
monde de cette époque-là, de ce niveau-là, au point de vue utile, enfin, maîtrise de ce qu'est le cinéma et de ce qu'est une mise en scène de cinéma. Parce que, bien sûr qu'il y a la dramaturgie quand même un peu théâtrale ou un peu littéraire, c'est-à-dire, bon, une femme se laisse séduire par un bel homme, comme on le disait à l'époque, mais le bel homme, quand même, est un homme connaît, un homme net, qui a une femme qu'il aime, et qu'il ne va pas tromper, il ne va pas rentrer dans la débauche. On se met en petit peu merveilleux. Et c'est tout ça est admirablement mené. Et c'est vrai que lorsqu'on voit ensuite ou avant déjà le travail d'animation, bon, on se rend compte qu'il y a chez Zarevitch un univers extrêmement particulier qui, en tout cas, si on prend maintenant l'animation, est tout à fait original par rapport à tout ce qui s'est fait dans l'animation. Et à cette époque, et après, à cette époque, est-ce qu'il y a deux personnes qui font de l'animation, qui sont très connues, c'est Emile Cole, qui doit commencer chez Bob Newman en 1905-1906, si j'ai le bon mémoire, et l'Espagnol Basque, qui est Sigismond de Chaumont, qui aussi commence à peu près. Alors, Sigismond de Chaumont, c'est plutôt l'animation des images par image, des chaises, des choses comme ça, dire, l'animation des objets. Alors que Zarevitch travaille l'animation du dessin, mais avec une originalité qui, disons, par rapport à Emile Cole, est tout à fait étonnante. C'est-à-dire que, par exemple, si vous regardez Emile Cole, quand on est en tête, je vous conseille le cinéma parce que c'est très beau, c'est très abstrait, Emile Cole. Ce que je trouve étonnant chez Zarevitch, c'est l'audace qu'il a de fleurir énormément son image, et même de prendre, on peut dire, ce qui le caractérise, des espèces de passion qu'il a pour le féerique, et un féerique et puis lié à l'enfance, au conte d'enfance, mais en même temps avec quelque chose que je trouve chez lui, enfin, je ne connais pas assez, il attend avec impatience qu'on puisse avoir en partie son œuvre, mais avec quand même quelque chose d'un peu pessimiste sur ça dans l'armée. Je trouve que son cinéma, bon, bien sûr, le papillon est sauvé de l'araignée, mais c'est tout juste. Après beaucoup de morts, après une telle bataille, etc. Enfin, c'est un cinéaste très étrange, en fait, très personnel, et il mérite en tout cas d'avoir une place beaucoup plus importante qu'il ne l'a actuellement au cinéma, dans la révision du cinéma, même si, quand même, quand même connu, je ne sais pas, c'est vrai d'être un cinéaste inconnu, mais je pense qu'il mérite quand même qu'on le travaille dans l'évolution même du cinéma. Le Starry de 1912, celui de 1927, puisque nous avons un de 1927 et celui de 1950, l'évolution et en même temps aussi l'extrême particularité de son cinéma. Et c'est un cinéma qui vraiment ressemble, vous connaissez, si vous voulez l'animation, ça ne ressemble en aucun cas à l'animation américaine, ni Walt Disney, ni Fleischer, ni tous les autres, enfin, Dexter Pitonet, c'est absolument pas ça. C'est très différent de l'animation française, Grigot, etc. Il y a, je ne vais pas m'amuser à dire quelque chose de russe, je connais rien. C'est une tradition de l'Est, hein. C'est une tradition de l'Est, absolument. Il y a quelque chose d'autre qui est très intéressant et qui est très, très singulier, parce que, bon, c'est vrai que quand on regarde le grand cinéma d'animation de l'Est, bon, il y en a quand même quelques-uns qui sont de toute première qualité,
c'est vrai que c'est quand même très, ils sont quand même très différents. Voilà ce que j'avais déjà à dire, toi, donc je t'écoute. Je vais peut-être répéter des choses que j'ai dites un peu hier soir, mais je sais pas si. Je disais tout à l'heure, oui, alors là, tu vois, ce fond obscur, parce que hier, je me suis fait rabrouer, jarrier, sur ce que je parle d'une morbidité sous-jacente. Enfin, je le crois toujours, hein, parce qu'il y a toujours des guerres, des insectes qui s'entretuent, etc. Et cette froideur. Moi, j'aime beaucoup le ciné-opérateur, mais à la revanche du ciné-opérateur, le petit film qu'on voit au début, qui est un vrai. À côté surréaliste, voilà, et surtout j'aime bien le fait de ramener à cette situation pour le moins d'une banalité totale, c'est-à-dire l'adultère, enfin, le mari, la femme, l'amant et la maîtresse, enfin d'ailleurs il y a, c'est pas un triangle, c'est un quadrille, puisque de chaque côté les insectes latifolent, mais il y a une manière évidemment de renouveler totalement la chose en utilisant des insectes, c'est quand même. J'avais dit hier déjà, les insectes, c'est une matière première, puisque ces premiers films utilisaient des insectes, déjà. Et là, il y a dedans, du coup, une espèce de froideur, et je dirais de cruauté animale pure. C'est-à-dire qu'il ramène quelque chose de très bourgeois, très culturel, hein, au sens le plus large, à une joute, effectivement, assez sauvage. Quand on voit la sauterelle et le scarabée qui se jettent l'un sur l'autre pour avoir les faveurs de la libellule, etc. Une espèce de pure sauvagerie animale, et froide aussi, ils sont les animaux à sang froid. En plus, il intègre le dispositif du cinéma dedans, il y a une mise en abîme, et le cinéma lui-même se révèle comme une machine de vengeance froide, je dirais. Donc il y a quand même cette. Voilà, évidemment, c'est une fantaisie, évidemment, mais il y a une froideur sous-jacente, en effet. Hein. Alors je ne sais pas. Je ne dirais pas c'est pas une misanthropie, hein, nécessairement, ou que sais-je, mais il y a quand même une. Là, il ramène cette figure de l'insecte, qui souvent est liée quand même à la figure du carnage, de la guerre, puisqu'il y a des films de police de Belgique, etc. Cette froideur, enfin, cette espèce de sauvagerie, de quelque chose de confusément carnassier, quand même, enfin, carnassier, ou en tous les cas de conflit, est quand même très, très, très présent chez lui, hein, comme s'il voulait ramener. Ah, c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup. C'est quand je dis que le cinéma est un art qui a d'un seul coup mis la nuit en tant que telle, consacré à la nuit, la chose qui jusqu'alors n'était pas fière. On représentait la nuit, mais on n'avait pas la nuit. D'un seul coup, on a la nuit. Et, la force de Sarimic, du sens, si tu parles du côté animal, du côté insecte, c'est le côté pulsion. Et même si vous prenez notre film de la bourgeoisie, on peut dire que madame a une pulsion. Et très, un peu exprimée d'ailleurs, un peu expressive. Oui, c'est bien de voir ça, je vous ai elle a une pulsion. Et ne supportait pas que l'autre, donc elle a aussi une pulsion, d'un seul coup, aille choisir une jolie femme. Enfin, une jeune femme, alors que c'était son homme, et d'un seul coup, il y a, et intéressant de voir chez lui, cette idée constamment des gens malades et pas de la mort. Il y a un côté où la mort, justement, si on travaille la vie, intéressant de sentir qu'il y a la mort. Alors, c'est très sensible, la histoire avec les insectes, et même dans notre histoire de bourgeoisie, elle est présente quand même. Et en particulier, puisqu'il y a la famille Sarimic, qui joue le jockey qui avait la tête au départ. C'est pas lui, non, c'est pas. Comment Non, je ne pense pas. Le jockey, c'est un acteur. Un acteur d'époque. Et je voulais signaler juste que le film est incomplet. Il manque du métrage, beaucoup de métrage. Surtout à la fin, c'est le film n'est pas fini. Non, le film n'est pas fini. Et c'est ça, est-ce que les bobines sont dans le bon sens et tout? C'est vraiment tout un travail de chercheur et de découvrir les autres bobines si elles n'ont pas été détruites.
Mais là, Starwich ne joue pas dans celui-là, non, il joue dans d'autres films. Je pense que ça aurait pu être lui. Enfin, bon. Il a l'air beaucoup. Il est beaucoup plus. Plus beau. Déjà, il est presque présent. Il est beau, il a l'air beaucoup plus gai. Et c'est vrai qu'il se grimait énormément, mais même grimé, ça ne peut pas être lui. Et il est reconnaissable parce qu'il a une verrue sur la joue. C'est déjà pas mal. D'accord. Mais c'est vrai que le film, il faudrait impérativement un jour que vous puissiez avoir un scénario. Ah, ça serait bien ça. Donc qu'on sache que finalement à la fin on vous laisse, on vous laisse comme ça. Et on est un peu en plan. On ne sait pas ce qui se passe. Le personnage vient vers nous. Il y a quand même 68 films russes qu'on voudrait bien redécouvrir. Voilà. Et nous aussi, on voudrait un scénario. Alors, toutes les bonnes volontés sont ouvertes. Et tous ceux qui vont suivre au fond d'ailleurs, dans les greniers qui trouvent des bobines, sont les bienvenus. Mais en tout cas, moi, personnellement, je trouve que ce film de 1912 est l'un des films importants dans le cinéma. Parce que. C'est 17, non hein? C'est 17, non c'est 17. 1912, celui-là. Ah oui. C'est un film qui est marqué 1912. Sachka, c'est 1912. C'est 17. Ah non, ouais. C'est 1917. Ah, le 17. C'est le signe opérateur qui est de 1912, je crois. Ah oui, mais à la fin du film, c'est remarqué 1912 en dessous. Ah. Non, il y a eu un problème. C'est 1917. Remarqué 1917, bon, là c'est vrai qu'il y a déjà. C'est tout, il y a 35 ans. Le cinéma avait déjà évolué de façon extraordinaire. Il y a pas eu 1920, c'est bien le grand art. Donc là. Peut-être que oui, tu pourrais. Comment est-ce que tu verrais ça? Parce que évidemment, 1917, c'est une date loin d'être indifférente à tous égards. Mais c'est pour ça que je suis même, puisque la révolution russe, ça va être l'exil. Oui, je ne sais pas si Sachka, c'est son dernier film russe, non? Il en fait d'autres? Non, il y en a après. Il y en a après, d'accord. Et donc évidemment, c'est. On est à la cour, et c'est évidemment après la Première Guerre mondiale, là il va y avoir tous les grands qui vont débarquer. Mais alors en 1912-1917, comment tu passerais Starwich dans le tableau général, je dirais, des forces? Là il faut oublier que la Russie a un cinéma important à cette époque-là, et que beaucoup de cinéastes russes de l'époque au moment de la Révolution, jusqu'en 1917, c'est le début de la Révolution, je parle de tout ce qui le film a été tourné avant octobre 17 ou après octobre, je ne sais rien, mais beaucoup de gens vont émigrer à partir du 17-18, beaucoup de cinéastes, et en particulier il va y avoir en France tout le clan des cinéastes de Russes, ce qu'on va appeler les Russes blancs, qui vont s'installer en France et vont dire être importants dans le cinéma français. Marqué le cinéma français, l'évolution du cinéma français. Et Starevich fait partie justement de ce moment important de ce cinéma russe, du cinéma tsariste russe. C'est-à-dire qu'il y a en effet une sorte de liberté. Alors bien sûr, là encore, le film est intéressant et très, très révélateur. C'est-à-dire que le sujet est un sujet très bourgeois de l'époque. C'est l'adultère qui est un des grands sujets, que ce soit Henri Bataille, que ce soit Bernstein, etc. Si vous prenez la France, à l'époque, c'est les grands drames de l'infidélité conjugale. Il faut dire que les sociétés, la cité bourgeoise, avaient de quoi se poser quelques problèmes. Donc là, il y a des références directes à ça. Ce qui est, pas seulement en Russie, mais dans toute l'Europe et peut-être même aux États-Unis, de sujets qui occupaient les scènes, les romans et évidemment le cinéma d'époque. Et là, je trouve justement intéressant que tu l'écris dans ce livre. J'aimerais bien savoir s'il a fait des films d'action. Est-ce qu'il a fait des films d'action Des films d'action
Oui, par exemple, des films de Pauline, étant puisque l'époque 1917, c'est Fantomas, par exemple, The Feuillade, donc des films de poursuites, etc. Ben, il a, oui, enfin. En animation, peut-être. En animation, mais encore, mais encore. Après, parce que... après ça serait joqué, donc il y a 17, il y a le pouvoir populaire, 1917 également. C'est ça. Et ça, le pouvoir populaire, c'est peut-être pas un film d'action, mais c'est un film de propagande pour inviter les, chaque individu à aller voter, c'est un film politique. Et après, en Russie, après le corps populaire, il y a Cagliostro. Je crois que vous l'avez vu l'année dernière. J'ai jamais vu Cagliostro, mais c'est intéressant aussi. Oui. Très intéressant. Ça clôt la période russe, après il arrive en France, et là tout de suite, oui, il fait un film d'action. Il arrive en France quand le film est fait. En 1920. En 1920. Donc il est resté deux ans au début de la Révolution. Oui. Et il est resté, c'est-à-dire qu'ils ont circulé, ils ont mis deux ans à circuler, passant par Istanbul, les arrêts en Italie et après, pour s'arrêter en France. C'est-à-dire qu'ils ont toujours travaillé pendant le voyage d'exil, dans ce fameux train où chacun menait sa vie d'artiste. Vous faites partie de ces gens qui n'arrivaient pas, qui ne pouvaient pas arrêter de travailler. Quoi. Oui. Et, en fait, et donc après, il fait un Mon noir et blanc qui est un hommage, c'est un film de poursuite en marionnette. Avec Charlie Chaplin, avec le théâtre qui n'arrête pas de courir d'une scène à l'autre, avec Marie Dufort, de Tom Hix, etc. Oui, il fait des films d'action, de marionnettes. Ah oui, c'est pour ça qu'il est important qu'on rétablisse vraiment toute son œuvre. Parce que il a une vraie place dans l'évolution même du cinéma. C'est pas un cinéaste dont on peut faire le. L'économie. L'économie, voilà, merci, c'est ce que je cherchais. Je ne connais pas. Et là, peut-être parler aussi de cet aspect dans des films qu'on a vus. Bon, Carousel, Borel, c'est un film assez tardif, on va dire. Je ne sais pas si vous faites la télé, ça. Bon, il y a la couleur, les verts. Ce qui est étonnant, c'est le refus du parlant, hein, quand même. Ça fait continuer à vouloir travailler en muet. Enfin, je veux dire, la Carousel, Borel, c'est un film en muet. Il n'y a pas de dialogue. Ce n'est pas étonnant, enfin, c'est un choix. C'est quand même assez marqué en 58 de continuer dans une logique de muet, enfin, exclusivement musicale. Mais bon. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la Reine des Papillons. Ça, c'est on retrouve le motif insectoïde. Alors peut-être qu'effectivement, c'est la pulsion. Il y a le cerveau reptilien. On dit alors, peut-être que lui, c'est plutôt le cerveau insectoïde, notre cerveau d'insecte agissant. Mais. Ce que j'aime beaucoup dans les films de Starevitch, et on l'entrevoit d'ailleurs dans La Revanche du Signe Opérateur, c'est le fait surtout de cette impureté fondamentale qui fait qu'il mêle de la maquette pure et de la prise revue, de la prise de vue réelle. Dans le Signe Opérateur, on le voit, quelque chose aussi d'assez quand même atypique, hein, parce que, bon, je disais hier, je parlais très vite du clivage fort artificiel d'ailleurs, lumière, Méliès, etc., trucage, vue, etc. Et même dans La Revanche du Signe Opérateur, il y a des plans qui m'émeuvent. C'est le moment où le monsieur Scarabée là, prend la route et c'est dans un jardin, quoi. Il met simplement ses figurines dans une allée de jardin. Et là, on n'est pas du tout dans une maquette totalement isolée, etc. C'est vraiment, je prends un bout de jardin et puis il y a tout ce côté lumiériste, quoi, c'est-à-dire la lumière naturelle. Ce qui ne va pas de soi hein, à l'époque. Hein. On pourrait très bien imaginer avec ces figurines qu'ils soient exclusivement dans une pièce close, dans cette logique complètement du studio, du parfait contrôle, pourrait-on dire. Or là, il prend un bout de jardin avec la part impondérable, surtout qu'il travaille image par image, donc on peut imaginer que le fait que la lumière change, c'est un problème pour lui, et il le fait. Donc il y a bien quand même quelque chose voilà, qui tient un peu des deux veines, et on le revoit dans La Reine, bien plus tard, dans La Reine du Papillon, puisque bon, on en avait déjà parlé hier, puisqu'il y avait hier la petite chanteuse de rue, où il y avait déjà, où il mêlait de l'animation et la même Nina, c'est Nina Star, chaque fois j'ai Nina Star, la même petite fille, avec là pour le coup dans La Reine des Papillons, un clair imaginaire, Alice Pays Merveilles quand même, enfin la petite fille qui passe dans un autre monde. Et ce qui m'intéresse, c'est donc ce fait là, d'utiliser évidemment, de faire interagir dans le même plan une figurine animée et un corps bien réel, celui d'une petite fille. Alors, d'ailleurs, à la fin, c'est assez étonnant, en tout cas, parce que quand elle revient, c'est une photo en fait découpée à taille réelle de la petite fille, mais il y a bien des coexistences entre, comme hier, entre la petite fille et le singe animé. Ça, déjà, c'est une chose qui
Enfin, moi, ça m'intéresse toujours beaucoup quand il y a comme ça l'interaction entre des personnages radicalement différents. Alors, bien sûr, il y aura plein de précédents ensuite. Et d'ailleurs, Walt Disney, à la même époque, utilise le même procédé, par exemple, dans les Alice Comedies, hein, où il y a une petite Alice, justement, qui interagit un peu sur le mode Mary Poppins, ou plus tard, Roger Rabbit, avec ce qu'on appelle pas encore des Toons, c'est-à-dire des personnages de cartoons. Moi, je trouve ça très intéressant quand il y a comme ça interaction entre un personnage totalement artificiel de synthèse, au sens le plus large, et un corps de réel, de petite fille. Donc là, il y a quand même quelque chose de composite qui est très moderne, et qui est d'autant plus moderne, je te laisse peut-être la parole après, Jean, que j'aime beaucoup en plus ensuite, l'idée, il pousse quand même à le raffinement, puisque parfois il fait de la petite fille elle-même une figurine papillon parmi les autres. Mais c'est très belle chose de reprendre le visage de la petite fille. C'est-à-dire, on n'a pas un visage de figurine, mais il y a le fait qu'il utilise des photos de la petite fille pour qu'on ait le visage de la petite fille quand même sur la figurine. Alors j'imagine que donc il y avait plusieurs expressions de la petite fille qu'il jouait, avec lesquelles il jouait comme avec le reste. Et là encore, être complètement composite. Donc là, il y a quelque chose, je trouve, voilà, une impureté, quelque chose comme ça qui fait interagir des règnes totalement différents, des marionnettes, des corps humains, etc., qui quand même, je trouve assez singulier. Oui, ça il a le culot de tout utiliser. C'est-à-dire que de ne pas se... Je dirais presque, on peut dire sclérosé, c'est pas vrai, mais de ne rester que dans un système. Et là, je pense que c'est la raison véritable, c'est que justement, il est capable de travailler tous les cinémas, aussi bien le cinéma donc de fiction, presque le documentaire d'ailleurs aussi, il en a quasiment fait, et le cinéma d'animation. Dans un cinéma d'animation, il n'a aucune raison de se priver, s'il le faut, d'une image qui vient du réel, et d'en jouer. Et donc il y a des effets. Ce que, par exemple, je vois encore, tu cites Walt Disney, mais c'est rarissime, et ils l'utilisent au très peu. Oui, mais c'est ce que je disais hier, il y a eu quand même un âge d'or de Disney au début. Ils ont essayé les choses, oui, c'est ça. Mais dans les années 20, il fait des choses, c'est le moment où Eisenstein, d'ailleurs, c'est Orange, mais où Walt Disney est quelqu'un qui brouille justement comme ça les règles, et où il y a une vraie folie sous-jacente. Hein, chez Walt Disney. C'est-à-dire qu'il y a à ce moment-là l'idée l'animation, ça peut englober tout. Bon, et ensuite, il y aura, on va se réserver uniquement à la picturalité, c'est-à-dire le dessin, ou alors l'autre animation qui essaie justement des objets que l'on fait bouger, image par image, etc., qui est aussi une autre forme de. Par exemple, aujourd'hui, ça devient très à la mode. Le personnage comme Shrek, est-ce qu'il est dessiné ou est-ce que c'est une espèce de personnage physique? Ah, bah ça, c'est tout le problème. Nous sommes tous en train de devenir dessiner marionnettes, en quelque sorte, puisque là, on est dans le motion picture, tu veux dire, je cache vraiment le fait d'utiliser des acteurs qui animent en quelque sorte les personnages synthétiques. Oui, bah, le fait qu'il y a un jeu de marionnettes, mais c'est un autre genre de cinéma marionnette en effet. Oui, mais bon. Et là, moi, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, justement, si on parle des pulsions, si on parle des choses comme ça, et. Ne peut pas abîmer en définitif le rêve. C'est-à-dire que le rêve va l'emporter sur. Mais il n'empêche justement que le rêve sera soumis à une agressivité de la pulsion. Et là, ça devrait se penser. Bon, on va peut-être laisser parler les gens qui ont le film pour la première fois. Ça peut être intéressant d'avoir un peu votre opinion. Ou votre réaction. Je vois que tout le monde se précipite. Non, mais pour le film, là, donc, qui fait à peu près
il fait à peu près 40 minutes, mais il manque tous les intertitres. Et donc les intertitres, il manque les intertitres. Donc les intertitres... Oui, mais être pour la fin. Ah oui, bien sûr, mais peut-être qu'il donnerait des éléments supplémentaires. On ne peut pas d'un film muet sans intertitres, alors que tu en as besoin. La plupart ont besoin d'intertitres. Même chez Burton, tu en as besoin. Bon, pas totalement, toujours. Mais là, tu as un film, tu n'en as pas besoin une seule fois. Le film, tu le vois comme ça et tu comprends, tu comprends absolument. Et rare à l'époque, les gens qui savaient manipuler le cinéma de cette façon. On dirait. Et que, moi, ce qui m'intéresse chez un cinéaste, c'est la façon dont il utilise l'espace. Le quadruple espace, les trois espaces. Horizontalité, verticalité, profondeur, perpendicularité, qui est déjà dans l'espace graphique par excellence, plus l'espace-temps. Et par exemple, quand on voit le film, on peut dire la tridimension, le côté tridimensionnel est remarquablement travaillé chez Sarevitch, et tu n'as pas un plan, alors que Dieu sait qu'aujourd'hui, le nombre de films et de films, où les plans sont de platitude, que les espaces n'ont aucun intérêt, etc. Là, au moins tous ont un sens. On resserre l'action, on la détend, etc. Moi, je dors en ce moment où notre jockey arrive pour porter, je ne sais pas quoi, il est dans l'entrée entre les portes. Elle arrive, ensuite d'un seul coup on revient sur lui, et ensuite il entre dans la pièce, enfin bon, dans le mouvement tout, quoi. C'est jouer sur l'espace. Donc de ce point de vue, c'est quelqu'un qui a le sens de l'expressivité, disons, le travail d'espace, et le temps lui-même, donc le travail de l'espace-temps, est admirablement travaillé, tu n'as pas un mouvement. Si tu prends ce film-là, tu n'as aucun mouvement d'ennui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment qui est trop long ou trop court. Le temps est nécessaire et l'action se suit parfaitement bien. C'est pas si fréquent que ça, mais même quand tu vois les feuillages, par exemple, bon, c'est pas toujours aussi parfait, les feuillages. Bon, mais c'est très beau. Mais... C'est une autre logique, c'est un espace plus mental, peut-être, plus extrait. Absolument, c'est vrai. Avec des passages secrets. Mais c'est vrai que ce qui est frappant, notamment dans ce film, c'est vrai que c'est pas si. Enfin bon, en 17, quand même. Et qu'il y a un vrai travail de profondeur de champ qui est très marqué, et ce qui n'est pas si fréquent, mais d'avoir des très belles vues, je trouve, du terrain hippique. Hein. C'est assez beau, avec en plus, on sent effectivement la Russie d'avant encore. Hein. Il y a une espèce de. On est dans le monde d'avant qui est parti, qui a déjà disparu, en quelque sorte, quelque chose en plus d'assez immense de ce point de vue-là, postérieurement. Et puis c'est vrai qu'il compose, il monte à l'intérieur du plan, ce qui est assez rare. Notamment, j'ai beaucoup les derniers plans dans l'espèce de jardin d'hiver, là où la vente officielle les observe à travers la porte. Enfin, ils sont tous les deux là au milieu du jardin, et puis là, en arrière-fond, on la voit dans l'encadrement de porte. Bah, c'est vrai qu'un réalisateur lambda à l'époque, vraisemblablement, ils les auraient montrés tous les deux dans le jardin d'hiver, et puis on aurait eu un plan suivant avec la femme légitime, courroucée, etc. Or lui, il ne fait pas de plan rapproché, enfin, pour autant que l'on sache, enfin, au regard de la matière qu'on a à disposition, et tout ça se passe à l'intérieur du même plan. Donc ça, en effet, c'est quand même relativement, c'est la marque d'un réalisateur quand même qui déjà... travaille beaucoup plus en profondeur, si j'ose dire, que... Qui a un sens de la dramaturgie de l'espace. Oui, de la simultanéité, quoi, dans un même plan. C'est vrai que c'est ça qui place, le passage du primitif au cinéma, au sens propre, je dirais, c'est bien l'idée qu'il y ait une multiplicité, qu'il y ait de la simultanéité à l'intérieur d'un même plan, enfin, qu'il n'y ait pas, que le plan ne soit pas une unité... monosémantique, quoi. Un truc là, lorsqu'ils sont à table, ouais. Bon, d'avoir travaillé le cercle avec le personnage qui tourne le dos de la caméra,
Et alors, ça coup, ça donne une vérité et une présence. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'osait pas faire ça, on n'osait pas mettre un personnage en régie, c'est le personnage du mari, parce qu'il tournait toujours à la caméra. C'est pas bien ça. Ça donne une espèce de vie, ça donne une vitalité. On sent bien le cercle, que les gens sont là, et que ça vit, on sent la vie. Et moi, je sais pas, je trouve qu'il a un sens de la construction du plan, d'ailleurs pas d'image, mais vraiment du plan. Alors, quand il passe à l'animation, c'est la même chose, mais là, il ne peut plus avoir le même espace. Ce sont fortement d'autres espaces qui travaillent. Et en particulier sur les graphiques, je trouve que dans l'animation, il valorise davantage la verticalité que les autres. C'est vrai que la profondeur est peut-être moins marquée. Que la profondeur ou l'horizontalité même. La plupart du temps, ça fait sur la verticalité. Enfin, ça ne peut pas responser, justement. Il n'installe pas les personnages, ou les dessins, si on veut, il ne les installe pas dans un espace dont il occupe l'espace, jamais. Mais même quand il prend la petite fille, bon, qui est réelle, elle est un peu comme un papillon, justement. Elle est tout à fait. Elle n'a pas une vraie présence sur l'écran. Elle a une présence, mais. Elle n'occupe pas. Elle est déjà de l'animation. Absolument. Oui, c'est ça qui est intéressant dans le film, quand il joue avec des corps réels, qu'effectivement, ils ont un statut déjà différent. Absolument. Bon, ceci étant dit, on attend toujours le public. Et la profondeur, il peut la trouver quand même, justement, quand il recourt, parce que je trouve ça La profondeur, il peut la trouver, justement, quand il recourt à des vues documentaires dans l'animation. Je trouve ça émouvant. Aussi, on l'a vu hier dans le Rat des Villes, et par des champs, quand au début le Rat des Villes est dans sa voiture et qu'à l'arrière, il y a des vues des grands boulevards, là, des grands boulevards parisiens. Ce qu'on a aussi dans Fétiche, là, le premier Fétiche, où il y a des vues de Paris, vraiment, de l'époque, qui sont utilisées en arrière-fond, en transparence. Donc là aussi, il y a quelque chose quand même intéressant, et d'un coup, une profondeur historique est assez belle. D'un coup, on sent le Paris de l'époque au milieu de ces marionnettes. Oui, on vous écoute. Sur les pulsions insectoïdes, peut-être. Hein? Les pulsions insectoïdes. Les insectoïdes. Oui, moi, je voulais juste poser une question, parce qu'on le présente comme un entomologiste, mais est-ce qu'il a étudié la peinture? Est-ce qu'il a étudié le théâtre? Est-ce qu'il a étudié la dramaturgie? Quelle est la formation antérieure, justement? Parce que Eisenstein a fait les beaux-arts, a composé ses plans. Alors, est-ce que c'est uniquement une culture artistique ou est-ce qu'il a vraiment une pratique avant, à côté de son travail d'entomologiste? Là, il veut que vous répondiez. En fait, il est autodidacte. Il a été à l'école, mais très vite, il s'est fait renvoyer. Il a été très instruit. Il était instruit de par sa famille dans la maison. Et surtout, il a fait les beaux-arts, il a participé avec un professeur en Lituanie à la création d'un musée, c'est là où justement il s'occupait d'entomologie. Il jouait au théâtre, il tenait le journal du lycée où il était, il faisait des costumes, il peignait, autodidacte en tout, hein, il jouait de la musique. Il a bénéficié de toutes les écoles où il est passé, mais surtout de toute la fantaisie qu'il avait et que sa famille lui a permis de développer de toutes les façons. Et surtout, il avait énormément d'imaginaire et il était entouré de 6 femmes, d'un grand-père qui peignait les fleurs pour les encyclopédies naturelles. Il avait un oncle qui était mathématicien ou quelque chose comme ça. Enfin, il était dans une famille très éduquée qui transmettait la culture et lui-même, il a fait des beaux-arts. Oui.
Mais par exemple, pour ses peintures, il a compris qu'il avait besoin d'argent, donc, parce qu'il avait toujours plein de désirs de nouvel appareil photo, de ceci, de cela. Donc il faisait par exemple un tableau de 4 mètres sur un mur, et après il coupait en petits morceaux, il le vendait en carte postale. Et les gens après cherchaient partout à reconstituer, c'était signé W Vladek, là ils recherchaient les morceaux de Vladek parce que ça avait beaucoup de valeur. Il peignait les vitraux des églises, gagnait de cette façon de l'argent, puis il écrivait dans les articles de journaux, il les illustrait avec des caricatures, et par exemple, plus tard, celle où on le voit, où il s'auto-dérisionne en faisant que Gogol lui tire l'oreille, comme dans le roman de Renard, vous avez vu Starevitch qui tire l'oreille du singe en lui disant « Attention, d'accord, t'as joué dans le film, mais le film c'est moi qui l'ai fait, et Gogol, lui c'était « Attention, t'as réalisé un film d'après mes livres, mais c'est moi qui les ai écrits, alors sois modeste. » Et c'est toujours cette distance qu'il avait, lui, par rapport à ce qu'il faisait, et le respect qu'il avait à tous ses prédécesseurs, qu'ils soient littéraires, artistiques, scientifiques. C'était évident qu'il a, même s'il avait cette culture seule, bon, malgré tout que vous le dites, il était quand même dans un milieu où il y avait une ouverture à la culture, peut-être pas directement sur tel élément, mais on sent quelqu'un qui a la passion et en même temps quand même la connaissance. Et en effet, tout ce que vous dites sur le fait qu'il a été à la fois sur le théâtre, le costume, etc., le fait d'avoir touché un peu à tout, lui a permis d'avoir cette liberté. Et en même temps aussi, selon le fait qu'il ait touché à tout, lui a permis aussi de ne pas s'arrêter sur un seul mode d'expression, mais au contraire d'explorer plusieurs modes d'expression. Ce qu'il n'aurait pas fait s'il n'avait pas eu cette liberté de naissance. Vous en dites pas. Comment ? Par exemple, on le voit dans le portrait de Gogol, il a été réalisé en 1915. Quand on regarde les premiers plans, au fond, en haut à gauche, il y a le tableau du portrait d'une jeune fille. Et bien, c'est le premier amour de son père, que son père avait peint. Et ça, c'est un tableau qu'il a rapporté en France, qui est toujours entre nos mains. Et il était dans une famille d'artistes aussi, et son père était apothèque, c'est-à-dire médecin en gros. C'était comme vous dites un milieu favorisé et qui permettait l'ouverture. Starevitch parlait plusieurs langues, il parlait le français, l'anglais, l'allemand, le russe, le polonais, Nina parlait l'espagnol en plus. Enfin, vous voyez, c'est... Mais là, son enfance, il a passé dans quelle ville ? Il est né à Moscou, et à partir de 4 ans, son père l'a envoyé en Lituanie parce qu'il avait peur qu'il se russifie trop. Il l'avait découvert dans le placard en train de jouer du violon en chantant « Dieu sauve le tsar ». Alors, ça contrastait un petit peu avec le fait que lui, s'il n'est pas mort, c'est parce que la caravane des déportés s'était arrêtée à Moscou et qu'il en a été extrait pour aller justement travailler à l'hôpital de Moscou dont le directeur était mort. Alors, donc il l'a envoyé en Lituanie et c'est là où, dans la maison familiale et tout, avec les tantes, avec les cousins, dans un village où il y avait plein de petits Starevitch, plein de Sipulevitch, etc., il y avait une vie d'enfant qui était extraordinaire. Et partager sans... C'est pour ça qu'on a appelé à DVD la langue des confins, parce qu'il n'y a aucune frontière entre les uns et les autres. Les gens vivaient en bonne intelligence, quelle que soit leur religion, leur statut social, etc. Il est arrivé à Moscou à la recherche d'une caméra. C'est pour ça qu'il était allé voir Konchalkov. Mais avant, son premier travail, ça a été... Son père l'a placé au cadastre, parce qu'il voulait qu'il se stabilise un petit peu quand même, je ne sais pas qu'il faisait un peu de tout. Et là, au cadastre, il arrivait toujours à s'échapper avec une caméra pour aller filmer. Il disait, je vais faire des films photographiques. Et il allait, il filmait, parce qu'il ne pouvait pas rester en place dans un bureau. Ce qui est quand même à l'époque, être un fou de caméra, fallait le faire, parce que c'était, en plus, c'était quand même le cas. Jusqu'en 1940, le cinéma, pour la quasi-totalité des gens, c'était vraiment mystérieux, c'était impossible, etc. C'était une espèce de peur de
cette chaudière pour la fascination, pour cet instrument nouveau et tellement étrange, et que lui soit justement très jeune, un passionné comme ça de caméra, c'est pas évident. Hein. Mais c'est arrivé chez quelle origine, c'est quelle souche? C'est russe, c'est quoi? C'est lituanien, c'est quoi? Alors, Starevitch, il y a des controverses. Ses parents sont lituaniens. Est né à Moscou, mais il est de nationalité polonaise. Il a toujours gardé sa nationalité polonaise. Ma tante est née à Kovno, et elle est polonaise. Et ma mère est née à Moscou, et elle s'est mariée, donc elle est française. Elle était française. Excusez-moi, c'est pas ceux qui sont morts, mais c'est pas tellement connu. Donc, disons que la souche est très est. Pologne, Lituanie, Russe. Oui, c'est ça. Et si c'est la religion, parce que la souche religieuse, c'est quoi? C'est catholique, orthodoxe? Voilà, ma grand-mère était catholique orthodoxe. Mon grand-père, il était rien de tout ça, mais il l'a laissé vivre sa religion, Ceci étant dit, ça ne se sent pas trop dans son cinéma, mais c'est toujours intéressant d'avoir des origines culturelles, même religieuses, parce que quand même l'imaginaire est quand même marqué par ça. Donc on n'y échappe pas. Surtout quand on connaît Gogol, quand on lit Gogol et que, par exemple, dans la nuit de Noël, on voit Bakula, lui, c'est un forgeron, c'est aussi un grand artiste, puisqu'il peint pour les curés, les diables, etc. Et c'est la façon dont le village se protège. C'est en faisant des caricatures de diables sur des murs. Et il y a justement, dans la nuit de Noël, Bakula, il montre un signe de croix, il montre une croix, etc. Et le diable s'est soumis, il a peur, il est terrorisé, il aurait dit plus comme ça. La religion, c'est sûr qu'elle était au quotidien dans le village. Oui, mais ça, c'est pas gentil, obligatoirement. J'entends, je ne dépose pas de façon. Mais la Lituanie en 1890. Attends, rien. Oui, non, mais la Lituanie en 1890 est indépendante. Non? À ce moment-là. Non, c'est l'Empire russe. D'accord. Oui. Mais c'est une situation très compliquée qui date du 14-15e siècle, c'est-à-dire qu'à la fois la Lituanie est une partie de l'Empire russe. Il y a l'héritage de l'union entre la Lituanie et la Pologne du XIVe siècle, que c'est un territoire où les élites sont colonisées, les élites parlent polonais, Starevitch parle polonais, les élites sont catholiques romaines, et en même temps, à la fin du XIXe, il y a la pression russe qui essaie de diffuser, qui interdit déjà les Lituaniens, Lituanie l'interdit jusqu'en 1904, et qui essaie de diffuser la religion orthodoxe. Donc il y a un décalage entre les élites qui sont polonaises, catholiques en gros, et le peuple qui est plutôt lituanien, avec une tradition païenne encore très très forte, et puis les influences locales, donc le russe, ce que vous évoquez. Donc on est au centre de quelque chose en Lituanie. Mais même encore aujourd'hui, d'ailleurs. Même encore aujourd'hui. Les pays baltes, c'est pas totalement calmé, au contraire, par rapport à la Russie. Revenu de vos différentes interventions, Hervé, vous avez évoqué la question de l'inerte et du vivant assez souvent dans votre regard, et chez Boucher, vous avez parlé également pas mal du mouvement et de la fixité, cette opposition-là, et je me demande depuis tout à l'heure si ces deux termes-là que vous avez utilisés chacun de votre côté sur Starevitch, si en fait vous en aviez la même... Quelque part, est-ce que ça voulait dire la même chose chez vous quand on parle de ça? Comment doit-on prendre? Très bien. Sous citation. Non, mais bien non. Obligatoirement, je dirais à partir du moment où on parle de choses telles que le mouvement et l'excité, qui sont quand même des bases fondamentales en ce qui concerne le cinéma, et même pas que le cinéma d'ailleurs, obligatoirement on se recoupe.
En ce qui me concerne, je sais que je suis pas tout à fait allergique, mais assez allergique à tout le cinéma de fixité. Fixité, j'entends, pour un exemple, vous mettez carné, vous voyez que chaque image est arrêtée. On vous met du mouvement dedans, mais ce mouvement-là appartient à du fixe. Il n'appartient pas à un mouvement. Vous prenez Renoir, vous apercevez que chaque plan est mouvement. Et joue le mouvement à fixité. Bien sûr que par moment, vous devez être obligé de faire que le personnage reste fixe. Oui, mais il y a une sensation. Et la sensation, c'est ou bien, même s'il y a fixité apparente, ou en tout cas liée momentanée, cette fixité appartient à un mouvement. Sinon, l'autre fixité, prenez un exemple connu, vous prenez les vidéos du soir, vous prenez Carence, Carence d'emblée, elle sera sur la fixité. Bien sûr qu'elle bouge, mais l'essentiel c'est qu'elle soit fixe, et que d'un seul coup elle devient admirable par la fixité. Bon, par ailleurs, je parle d'autant plus que j'aime quand même le film, donc la question n'est pas là. Mais je trouve que l'imaginaire du mouvement de la fixité, c'est déjà une base qui permet d'établir le critère de la qualité d'un cinéaste. Un grand cinéaste, il est dans le mouvement. Et il ne peut pas. Il est justement dans la vie. Et la vie, c'est le mouvement. Comme je dis, la fixité de la fixité dans la vie. Tu as encore assez loin, après tout, ça c'est fixe, mais c'est en trois dimensions, la quatrième dimension, l'espace-temps, ça c'est fixe, mais tout dans un quart d'heure, ça sera là, le mouvement est présent en permanence, et c'est le mouvement qui l'importe. Les grands cinéastes travaillent la notion même des mouvements. Le travail à leur façon. Et moi, ce qui m'intéresse, entre autres, c'est la réalité. Alors, si je prends mon petit grain de bourgeois, il est entièrement fait sur le mouvement. Entièrement fait là-dessus. Ah ouais, en fait, c'est parce qu'effectivement, hier, j'ai insisté notamment, bon, c'était sur un autre plan, un petit peu, c'était sur le rendu particulier, on va dire, de l'animation image par image, le fait qu'on travaille avec des marques effectivement inertes. Cette espèce de saccade, et pour le coup, je parlais de quelque chose de mort-vivant. Enfin, il y avait quelque chose de. Vous savez que c'est un mouvement pour le coup, parce qu'il n'y a que du mouvement chez Starevitch, mais j'ai notamment insisté sur l'aspect, le rendu très singulier de l'animation d'image par image, de cette saccade continue qui rendait sensible, je dirais, la fabrique du mouvement, la recomposition du mouvement. Voilà. Et c'était plus ça, en tout cas, c'était dans cette fabrique-là, ce côté mort-vivant, enfin, cette espèce de dialectique qu'il y a dans le mouvement chez Starevitch. C'est vrai que c'est vrai. Alors, si on prend, mettons, Tex-Avry, c'est un mouvement fou. Et ça ne peut pas s'arrêter. Mais ce mouvement, à la fin, appartient à une société. Si on prend l'écran de. Les grands dessins animés américains, très intéressant à regarder. Et celui qui est moins intéressant de ce point de vue-là, c'est le plus autiste. C'est moins intéressant que, justement, que des gens comme Tex-Avery, juste jouer les dents, parce que ce sont les dents. D'avancer pas en âge, c'est très embêtant. On oublie les dents. Des noms de dessinateurs, animateurs. C'est vrai que moi je suis un spécialiste des cartoons, donc par ailleurs on devrait texte ou d'autres, mais alors moi j'avais du coup, je suis pas du tout spécialiste des cartoons. C'est excellent, mais je veux dire que ça, le côté américain, c'est l'action. Donc forcément, ils sont tous des tributaires de la notion d'action. Mais l'action, c'est pas forcément le mouvement. Le mouvement, c'est beaucoup plus secret, c'est beaucoup plus.
le mouvement d'une pulsion est beaucoup plus intéressant que le fait que quand on avait passé les bras à les jambes, c'est autre chose. Le mouvement, c'est une intériorité qui s'exprime, quoi, qui se manifeste. Bon, après, c'est bien rentré dans ce genre de considération. Bon, ben, je ne sais pas si. C'est un peu propos, non? Oui, pardon, je prie, allez-y. Oui, j'ai regardé depuis un jour les films Starévitch et je trouve qu'il y a on dirait que c'est un misanthrope qui ne veut pas l'être, parce qu'on voit quand même beaucoup de films, je parle en face j'espère, on voit beaucoup de films où il y a beaucoup de bagarres, on s'entre-déchire beaucoup et on a l'impression que quand même le mal est partout. Et qu'il essaie de compenser ça par un peu dans la tradition pessimiste quand même des moralistes comme La Fontaine, qui voit un optimisme virulent. C'est quand même toujours un peu comme ça. Est-ce qu'il y a des éléments dans la biographie qui pourraient faire penser qu'en effet, il aurait un fond misanthrope, mais qu'il le refuse et qu'il veut compenser parce que très souvent les films finissent de façon positive quand même, donc une sorte de rachat comme ça, de compensation, parce que si on regarde, il y a énormément de bagarres d'insectes, de guerres, de méchanceté aussi, mais c'est toujours à la fin quand même ramassé et on finit par tomber plus positivement en quelque sorte, une morale plus positive. Est-ce que c'est lié à des idées que pourrait avoir Camper? Voilà, c'est une question. Ah, de toute façon, il travaille sur une chose. Si on dit qu'il travaille sur la notion de pulsion, il travaille sur une chose très, très précise qui est que il n'y a pas d'existence sans violence. La violence est constitutive de l'existence des hommes, pour exemple. Dès que vous accouchez, enfin pas vous, mais dès que une femme accouche, c'est déjà de la violence. Et d'emblée, on est lié à la violence. Pour exister, on passe à la violence. La violence, simplement, c'est justement, il faut pouvoir la contrôler, pouvoir la dominer, etc. Et ce qui est intéressant dans son cinéma, c'est que, en effet, la violence est constamment présente. Différente, quand on prend le film bourgeois, c'était une violence sociale. Il y avait une classe sociale par rapport à une autre, parce que c'est quand même très, très précis dans le film. C'était sur les maîtres, les bourgeois, bon, plus on a une écurie de course, etc. Donc on n'est pas rien. Bon, des serviteurs, moi j'ai beaucoup parlé au début, il y a la carriole et d'emblée, enlève la casquette, on salue. Bref, il y a tous les signes. À la fin, vous avez même une classe sociale qui apparaît et qui est le côté vegan. Vous avez donc la violence est présente, mais en même temps vécue comme naturelle. Et dans le film, c'est pour ça que j'aurais bien aimé savoir ce qui se passe après. Parce que sinon, j'aurais voulu savoir comment se règle ce problème de la violence. Mais c'est vrai que si vous prenez les dessins animés, c'est fait aussi sur une notion de violence où, finalement, le côté féerique, donc l'imaginaire, est la seule façon de pouvoir échapper à la violence. Et à la fin, que c'est le côté féerique ou l'imaginaire qui s'impose à la violence. Donc, à la reine, à la fin, un truc comme ça. Là, il y a une pensée simple, mais exacte, sur la réalité même de l'existence. On oublie un peu trop quand même que la notion de violence, on parle tout le temps d'une forme supprimée de la violence, etc. La violence, elle est absolument nécessaire, sinon si vous êtes sans violence,
qu'est-ce que vous l'avez, il n'y a pas plus. Je suis là-bas, dans ce coup, je lève le débat, mais enfin bon, je ne l'élève pas, mais enfin je... Vous le complétez bien, parce que dès l'instant où vous parlez de l'accouchement qui est une première violence, et juste par ça, je vais répondre à un élément. Quand Starevitch avait 4 ans, sa maman allait accoucher et mère et fille sont mortes parce qu'il y a eu une erreur de main de Borat. Donc je ne dis que ça. Donc ça touche, on touche directement la chose, bien sûr. Non, c'est justement cet assez qui touche aux choses essentielles de la vie. Ce n'est pas une sorte de contemplation tranquille, justement, sur la fixité, tout est stable, etc. Non, c'est pas vrai. L'instabilité fait partie de l'existence. Il y avait peut-être les contextes, les événements. Absolument, absolument. Justement, je voulais rappeler que c'est quelqu'un qui est né en 1882, donc c'est toute une génération, mon grand-père, enfin les générations où on subit ça. Mon grand-père, je le cite, c'est l'anecdote, il s'appelait Henri Langlois. C'est quoi ? Mon grand-père s'appelait Henri Langlois, c'est pas du tout le même, mais c'est quand même... Donc ce sont des gens qui ont connu toute l'oppression russe, donc toutes les affaires qu'on vient de rappeler, la Première Guerre mondiale, la Révolution, l'exil, la crise des années 30, la Seconde Guerre mondiale, et tous les historiens, on parle beaucoup de la Première Guerre mondiale dans les sociétés européennes, a amené un accroissement de la brutalité dans les sociétés. Dans l'entre-deux-guerres, on a tous ces milices armées dans toute l'Europe centrale, dans un premier temps, et les sociétés deviennent beaucoup plus violentes. Donc moi, ce qui m'a toujours intrigué dans les films de Starevitch, c'est que des épisodes aussi importants de l'histoire du XXe siècle ne soient pas directement présents. Sauf le pouvoir populaire, c'est directement présent, et c'est certainement le chef de commande, donc ce n'est pas sa propre initiative. Donc c'est par le biais que vous dites, sans doute, que ces faits, que ces évolutions sont finalement présentes, par la violence à peu près constante, et la façon dont lui la surmonte. Et la fin des films, et, où il y a toutes sortes de péripéties, etc., on a des fins plutôt positives, sauf la cigale et la fourmi, le lion devenu vieux, il y a des cas un peu particuliers. On a finalement, malgré cette violence omniprésente et qui s'accroît au cours de sa vie, on a une vue assez optimiste du monde. C'est ça qui me plaît. C'est-à-dire que c'est ça, le problème pessimiste et optimiste n'est pas simple. C'est-à-dire qu'il va avoir, je dirais plutôt, une vision consciente des rapports de force. Et ces rapports de force, bon, ça peut être regardé de façon pessimiste ou optimiste. Oui, je sais pas, sur la mission de la misanthropie, moi je sens peut-être parfois, alors ça ne m'empêche pas d'être optimiste, peut-être sur quand même ce caractère particulier, il a toujours voulu travailler tout seul quand même, hein, et retrancher, enfin, tout contrôler lui-même, et travailler avec des marionnettes, ça induit, on va dire, un tempérament un peu particulier quand même. Bon. Mais sinon, oui, sur la violence fondamentale et sous-jacente, éventuellement la. Voilà, de l'aspect éventuellement confusément inquiétant, peut-être lié à des obsessions sur l'arrière fondamentifère chez Starevitch, qui sont liées. Ce que je disais hier, l'animation, c'est on l'oublie souvent, les fonds d'animation le rendent apparent, et Starevitch le rend apparent. Il y a quelque chose, toujours, peut-être que c'est aussi ce que disait Jean, sur cette dialectique entre violence et pulsion de vie, en quelque sorte, c'est que c'est un genre qui est souvent violent, littéralement, puisque je l'ai dit incidemment hier, mais la plupart des films, en tous les cas, d'animation figurative, je dirais, pas des films d'animation abstraits ou expérimentaux, etc., sont quand même des histoires essentiellement à la base de prédation et de dévoration. Vous regardez tous les films d'animation, y compris, voilà, Tex Avery, Bip Bip, pour le coup, tous les cartoons, Bip Bip et le Coyote, Titi Grosminet, enfin, ce que vous voulez, c'est toujours des histoires de chasse, de prédation, et quand même de savoir qui va manger qui. Et c'est notamment lié, moi, ça m'intéresse toujours, y compris, bien sûr, chez Disney, mais donc, et il rend cela apparent, bien sûr, mais c'est, je crois, parce qu'il y a cette idée qu'on a des régimes de mouvement et des règnes aussi, je parlais voilà, de cette drôle de chose dans l'animation, en fait, il y a beaucoup d'êtres qui sont hybrides à la frontière entre l'humain, le non-humain, etc. Il y a des rivalités, et en tous les cas, l'un des principes de mouvement fondamental dans l'animation, c'est ce mouvement de prédation, de chasse,
de dévoration, et parce que dans l'animation, il y a une pulsion de base de dévoration, c'est quand même se substituer au monde réel, entre guillemets, sensible. Il y a quelque chose de confusément aussi prédateur là-dedans, hein, qui peut être positif, mais je veux dire, c'est peut-être, il y a un mouvement fondamental dans l'animation, dans la dévoration comme ça, et dans la chasse. Et je crois que Savitch le rend, bien sûr, le contexte historique, la guerre, à l'évidence, mais il rend aussi apparent comme ça quelque chose comme une vie de synthèse qui mangerait la vie au sens, enfin, notre vie, enfin, il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose de confusément vampirique aussi dans l'animation. Hein. C'est là. Oui, moi, justement, mais en même temps, si je trouve que je trouve ça réduit par rapport aux autres, disons, américains, dans les animés, c'est que les animés américains est fait, comme toujours, d'ailleurs, tous les américains, est fait sur le spectateur, et en particulier pour les animés, sur le spectateur enfantin. Donc, l'enfant, on lui propose la chose qu'il ne peut pas supporter. Enfin, moi maintenant. Moi maintenant, oui. Mais que le bon, mettons le petit chat, le petit oiseau, ce qu'on veut, soit mangé par le méchant, que ce soit le gros chien, que ce soit bon. Et la course qui est faite, c'est qu'à la fin, évidemment, le bon petit que l'enfant adore est sauvé et échappe pas. Et en même temps, même si on peut, à ce moment-là, le gentil, enfin, la petite souris adorable devient copine du méchant chat. Réconciliation, oui. Hein? Oui. Mais avant la réconciliation, il y a beaucoup de violence, hein, y compris dans ces films-là. Et la violence. Il y a un très beau commentaire, juste, j'y pense, mais il y a un très beau commentaire dans un film. Il y a un film particulier qui est d'ailleurs fait par un enfant, mais dans E.T., de Spielberg, je ne sais pas si vous vous souvenez, E.T., E.T. l'extraterrestre. Ah, E.T., ouais, ça t'étonne, hein. Mais E.T., il y a une scène incroyable dans E.T. que je trouve très bien. E.T. est un film sous-estimé, en fait, c'est pas mal de le revoir aujourd'hui, il y a des choses assez étonnantes pour l'époque. Mais en tous les cas, dans les premiers contacts, je regardais une scène très, très drôle où E.T. tombe sur un ex-abri à la télé, il est horrifié, c'est un film d'horreur pour lui, visiblement, il est vraiment horrifié. C'est vrai qu'il y a quelque chose, il y a quand même même s'il y a de la réconciliation, le happy end, etc., avant, il y a quand même du sadisme, de la violence, de l'horreur, etc. La course à celui qui va attraper l'autre, etc. Et ça, justement, ce que Starevich, il n'en fait pas une course, il en fait un rapport justement entre. On revient toujours à la même chose, entre de l'imaginaire, de la féerie et de la chose concrète. Bon, moi j'adore l'araignée, elle est adorable l'araignée, en plus je trouve très, très beau à l'araignée. Mais ça fait comment la petite fille pas très gentille de lui dire qu'elle est moche. Quoi. Oui, c'est pas mal, ça, mais par exemple ça aussi c'est de la contre-violence, c'est de la violence aussi. Ben alors veux-tu m'épouser, non, c'est trop moche. Donc il y a là-dessus quelque chose de... Ouais. Et je trouve à la fin l'espèce de résolution dans ce jeu-là, comment ça s'appelle, les images, ça devient des... Kaleidoscope, non, on se dit. Ah oui, ça, c'est pour toi, c'est la réconciliation, la pacification par la conférie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, toutes les lignes, finalement, permettent de se... D'ailleurs, dont les araignées participent, c'est-à-dire que les anciens ont un principe maléfique, et toi, les araignées participent de la vérité. Les araignées même sont heureux de voir, enfin sont heureuses de voir que leur toile rentre dans le... dans ce kaleidoscope, là. C'est ça très beau. Bon, c'est amusant, quoi. Bon, je crois qu'on va vous arrêter, donc oui, on va vous proposer d'arrêter. Hein, on va vous proposer d'arrêter là, puisque on va la déclaration. En tout cas, merci énormément, Jean-Pierre Arnaud.